Bonjour à tous et bienvenue sur Buzz TV, la chaîne de l'actu. Aujourd'hui, nous nous rentrons pour la mort de Grégoire Boisdoux, le jeune homme rugbyman décédé d'une crise cardiaque à 19 ans. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Un drame, ce dimanche soir, l'OMR Marc Rugby Live Métropole, l'Olympique Marquois Rugby, faisait part de sa page Facebook du décès du Grégoire, qui évoluait avec l'équipe Espoir du club. Seulement à 19 ans, le jeune homme a succombé à une crise cardiaque ce jeudi 13 novembre, tandis qu'il s'entraînait avec son équipe, les Espoirs nationaux au stade ML de Villeneuve, entre 19 et 21h, victime d'un arrêt cardiaque inopiné alors qu'il a participé à un exercice sans intensité particulière. Le samedi 5 novembre, à un peu moins de 48 heures après sa crise cardiaque, Grégoire était toujours dans le coma, comme l'indiquait un premier poste du club lillois aux directions et licencié, espère de toute heure qu'il se réveille. La veille, les géants des réseaux sociaux annonçaient le report du match Espoir prévu ce samedi contre le stade Dijonais. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner.